Bonsoir à vous, tout Angèles et tout Anjou. Bonsoir à vous aussi, qui venez d'autres cités, d'autres ports. Bonsoir à vous et soyez rassurés, votre patience sera bientôt récompensée. Nous allons bientôt pouvoir démarrer notre croisière. Pour ma part, je suis le doux rêveur, et c'est moi qui aurai le privilège d'être votre guide tout au long de cette croisière, afin de découvrir le voyage de l'exploratrice, de l'aventurière, de la pirate cosmique, Sandy Mango. Comme toute bonne histoire de pirate qui se respecte, la nôtre commence dans un port. Et dans ce port, la pirate cosmique explore l'amour et ses mystères, sous toutes ses formes, plaisir, divin, familial, amical. L'amour, singulier ou pluriel, au gré de ses rencontres, notre aventurière partage sa vie, son art, sa cuisine et ses rêves. Et les rêves, elle en a plein la tête, tellement qu'un jour ça ne lui suffit plus de les partager. Il est temps pour elle d'aller les vivre. Nombreux sont ceux qui tentent de la dissuader, mais c'est mal à connaître, car la pirate cosmique a en elle tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. Alors, avant de larguer les amarres, elle laisse derrière elle un message à l'attention de tous ceux qui voulaient la dissuader. Et ce message porte le nom de Darlene.